Et bonjour à toutes et à tous, c'est Toundra. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau vidéo test aujourd'hui sur un jeu de bagnole sur Switch qui m'avait plu, mais qui m'a fait passer du temps. Enfin, j'ai passé du temps énormément sur ce jeu et c'est un jeu qui me plaisait bien, qui me plaît bien. Il s'agit bien de Gear Club Humidified. Voilà. Excusez-moi, je vais éteindre le ventilateur parce qu'il est juste en train de chauffer. Je vais juste en train de souffler à côté de moi. Et ce n'est pas pratique pour faire un test. Donc, Gear Club Unlimited est un jeu développé et édité par Eden Games et Micro-ondes. Alors, pas le micro-ondes qu'on fait chauffer nos plats, non, non, je parle de micro-ondes. Micro-ondes. Est une boîte française. Eden Games est une boîte française et les éditeurs sont Micro-ondes qui est Microïd qui est une boîte française. Pourquoi je dis Micro-ondes et pourquoi je dis Micro-ondes et pourquoi je dis ça, moi, merde. Non, c'est Microïd. Microïd qui est une boîte française qui ont fait également le jeu aussi Motors Rare Racer 4 mais qui est assez pointé du doigt car le jeu n'est pas complètement fini. Mais on est sur un jeu de bagnole qui est complètement fini, absolument génialissime, mais vraiment génial. On a multijoueur local et un multijoueur à la ligue, mais en contre-la-montre. Voilà. Et une campagne en mode solo. Voilà. Tout simplement remarquable. Le jeu est à moitié un peu, est à moitié archaïque et un petit peu simulation parce qu'il reprend un petit peu les deux. Il est un petit peu l'immersif archaïque et un petit peu de course simulation. Vous avez de différentes classes de véhicules. Vous avez la catégorie A qui est les véhicules de base, mais qui sont aussi des véhicules de base également, mais pour vous permettre d'accéder au championnat. Vous gagnez des courses et plus vous remportez des courses et vous remportez des étoiles et vous remportez des tas de crédits pour chaque épreuve terminée. Par exemple, moi j'ai tout fini, j'ai pratiquement fini le jeu. Je suis à 823 coupes. Donc les coupes c'est les multijoueurs en fait. Donc là c'est 823 coupes. Mais c'est à partir du multijoueur que je vais vous montrer. 1223 étoiles collectées, parce que au début du jeu, vous devez collecter plus de 1223 étoiles en tout. Voilà. Vous devez absolument terminer tous les championnats. La classe A, c'est les véhicules de base A, 2 et 3. Et ensuite, vous avez les B, donc catégories sportives comme le B1, B2, B3. Et le C, la classe C, c'est les véhicules sportives, enfin voitures de sport au fur et à mesure entre le C1, C2, C3. Et ensuite, vous avez les hypercars qui sont les D. Voilà, qui sont les D. Vous avez Performance Shop, donc qui est votre hangar que vous pouvez également acheter de différentes composants pour améliorer votre véhicule, voire même participer à de nombreuses épreuves. Il y a deux types de courses. Il y a un type en rallye pour configurer votre voiture en rallye. On peut configurer notre voiture en rallye. Mais vous devez d'abord acheter et faire quelques configurations pour votre véhicule pour qu'il puisse accéder à l'épreuve de rallye. Vous devez acheter d'abord quelques équipements enfin, non pas les équipements, mais des performances pour votre véhicule en rallye. Alors, le véhicule peut avoir deux classes, donc enfin deux types. Donc, le type de bagnole, vous pouvez avoir la même bagnole, mais en deux types. Donc, le type asphalte pour les courses en asphalte et deuxième course pour le rallye, donc les tout-terrains. Voilà.
un peu comme The Clue, mais sauf que The Clue est plus multijoueur, mais tandis que celui-ci peut à la fois être en multijoueur, voire même en solo. La ligue, je vous montre. Donc c'est tout con. On peut effectuer des courses. Donc là, c'est la dernière fois que j'ai gagné en course, mais là, j'ai fait. Ah oui, j'ai fait 844 là, c'est bien. Ça fait un petit moment que là, j'ai plus re-rejoué ce jeu. Alors, en plus, on a une ligue pour chaque championnat. Là, je suis en ligue champion. Quand on arrive à la ligue légende, là, ça va être une toute autre histoire. Et vraiment toute autre histoire. Donc, je vous montre un peu les ligues border. Y. Leaderboard, donc le leaderboard c'est. C'est le truc qui veut bien se mettre en route là. Ah putain, pourquoi il bug? Attendez. Il y a quelque chose qui ne va pas là. J'ai appuyé sur n'importe quelle touche. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais j'appuie sur n'importe quelle touche et ça me fait venir en performance chop, je pense. Mais je sais pas. Je sais pas en fait. Ah ouais, carrément, là je reviens sur. Bon, mais c'est pas grave. Bon, je vous montre quand même le truc. Alors, si je place mon véhicule, là je fais déplacer depuis le parking. Et là je passe. Alors, on a atelier de peinture pour peindre notre véhicule, cosmétique pour avoir des kits de carrosserie sur notre véhicule, ou des pneumatiques, voire même deux ou trois spoilers sur leur bagnole, sur notre bagnole. Un peu à la manière un peu Need for Speed et tout le reste. Atelier de mécanique pour améliorer vos performances de votre véhicule. L'atelier de rallye, vous pouvez alors rendre votre véhicule accessible en rallye, comme je vous l'ai dit. La soufflerie pour avoir plus de performances en soufflerie, pour avoir meilleur d'aspiration pour votre véhicule. Carrosserie. Pour allonger le poids de votre véhicule et l'atelier de pneumatique pour rendre votre véhicule assez adhérent et assez souple à manier. Et également aussi, bon, carrosserie pareil, pour rendre votre véhicule plus maniable et beaucoup plus souple. Et également les pneumatiques qui servent plus à avoir plus d'adhérence et des freinages pour avoir de meilleurs freinages en rentrée de virage. Voilà. Donc du coup, j'ai un petit peu tout dit, mais bon, vous pouvez stocker votre véhicule, voilà, différents véhicules. Vous pouvez même acheter deux ou trois ateliers. Voilà. Le jaune, enfin, le bleu, c'est les véhicules, c'est les ateliers où vous pouvez mettre chaque atelier. Vous pouvez même déplacer votre propre atelier. C'est un petit peu un jeu de gestion en fait. Hein. Vous pouvez même mettre quelques conneries, comme voire même quelques vélos appartements, bon, voilà, rien de plus, voire même quelques décorations, étagères, bref, canapé, vivarium, bref, ils ont mis un petit peu de tout, ce qui est fantastique. Bande d'arcade, bon, un petit peu de tout quand même. Hein. Extension pour grandir votre garage. Mettre au parking votre véhicule. Et décorer votre hangar. Donc usine désaffectée, dîner, club, génialissime et design. Le top.
préfère dîner parce qu'il est mieux celui-là. Celui-là, il est mieux. Ça fait un peu 70s, mais c'est bien. Voilà. Voilà. Et ensuite. Et ensuite, vous pouvez également, je dis bien également, participer à. Je l'ai dit ça, oui, la ligue, je l'ai dit. Hein, je l'ai dit même aussi le rallye. Bon, je vous montre un petit peu de tout. Bon, là, on a l'épreuve McLaren. Bon, là, je ne suis pas cassé pour ça. GG à tout prix. Bon, là j'ai réussi à avoir le championnat, mais ça a été un peu dur. Bref, allez, je vais un peu montrer cela. Donc, le league, comme vous pouvez le constater, c'est une contre-la-montre en fait. Donc, il n'y a rien de passionnant, il n'y a pas de joueur qui va prendre la place de l'autre et tout. Non, il y a vraiment. Voilà, c'est juste contre la montre que vous pouvez absolument passer des. Vous passez la ligne d'arrivée avec le meilleur chrono possible. Voilà. Je vous montre vite fait le rallye. Alors, il y a 30 véhicules en tout dans ce jeu. Il y a également aussi, attendez. Alors, le point noir de ce jeu, c'est que le jeu, il rame un peu quand vous achetez quelques améliorations du véhicule, tout le reste. Mais par contre, je remarque qu'il y a vraiment la caméra qui est un petit peu plus raide et les freinages qui sont un petit peu mous à se mettre en route. Bon, après, je le dis, mais c'est vraiment un détail. Ensuite, mais c'est pas très joli pour un sous comme ça. Mais c'est pas très joli pour un sous. Alors, je sais pas, parce que jeuxvideo.com, ils ont juste dit que c'est pas joli pour un sous, mais quel sous. Bref. Ce que je peux reprocher, bon, évidemment, je suis d'accord avec eux, la caméra est un petit peu raide. Par contre, je trouve que les freinages sont un petit peu trop mordifs, mais beaucoup trop lents à se mettre. Et également, l'immersif de conduite est pas mal, mais sauf que on a la bonne sensation de conduite, mais je trouve que également on a quelques soucis.
effectuer le mode. Je peux re-rembobiner à tout moment quand je fais une erreur de pilotage. C'est un jeu qui est absolument génialissime, il n'y a pas à dire, excellent, excellent, voilà. Allez, dernière course, ensuite on s'en fout. Ah, on a également quelques objectifs secondaires, bon, ça c'est bien. Ben, c'est bien. Quand vous voyez l'objectif, ce sont des quêtes, donc des quêtes secondaires que vous devez effectuer dans la course. Donc une fois que vous avez remporté quelques courses, vous gagnez également, si vous remportez des quêtes, vous remporterez quand même de l'argent à chaque quête effectuée. Que ce soit terminer deux courses ou parcourir 1000 km, voire même faire plusieurs bornes, hop, vous augmentez votre succès. Bon, les succès. De succès, voir là, je vais terminer quelques succès. Quand vous achetez une véhicule de chaque marque, vous pouvez également avoir un succès. Chevronné, vous pouvez vous atelier carrosserie, sauf que ça va enclencher un petit peu de temps. Et je pense que ça va mettre un petit peu de temps. Voilà, et les missions, ce sont les quêtes secondaires. Épreuve que j'aimerais vous montrer. Je pense que c'est celui-ci, attendez. Avec, ah voilà, super. La Acura NSX et c'est bon, voilà, dernière épreuve et ensuite on s'arrêtera là. Bref, voilà, donc l'immersive de conduite est vraiment agréable à conduire, donc j'apprécie de conduire sur un véritable jeu de course simulation, donc c'est le top, vraiment le top. Bon, malgré qu'il y a quelques problèmes au niveau de la caméra, voire même quelques effets il y a quelques effets rare trading un peu, mais sinon ça se voit un peu. Sinon l'immersif de conduite de pilotage est mille fois bien rendu. Les voitures sont très modernisées et franchement on a 30 véhicules en tout. Donc là c'est bien. Pour un jeu de bagnole sur Nintendo Switch, c'est assez agréable. Hein. Donc quand même la gestion du hangar, quand vous déplacez votre véhicule pour aller à un atelier pour ensuite le moderniser, plus perfectionner votre véhicule, le personnaliser, voire même rendre votre véhicule performante pour les prochaines épreuves. Bref, ça c'est bien. Bonne sensation de conduite, je suis d'accord avec jeuxvideo.com, mais je suis d'accord avec eux parce que c'est une bonne sensation de conduite, un petit peu à la manière c'est pas trop la manière Forza, mais ça reprend un peu les codes en fait.
Mais sinon, les sons des voitures sont assez représentatifs, donc c'est vraiment génial. Il y a une très bonne durée de vie dans ce jeu, c'est vraiment génial. Et franchement, la carrière, le mode carrière est vraiment sympathique à prendre en main, voilà. Tout simplement, on a du multijoueur en écran séparé jusqu'à 4 joueurs, c'est super, comme vous pouvez le constater. On a un mode en ligne, mais mode en ligne c'est la ligue, donc qui dit la ligue, qui dit le contre-la-montre challenge, et vous devez être au premier rang, voire même en second, pour ensuite, si vous réussissez à effectuer, bon là ce que vous venez de voir en ligue, c'est une contre-la-montre, il faut être le plus rapide, voire même se placer au premier rang. C'est assez dur, moi je me suis cassé le cul à le faire, et je peux vous garantir que c'est ultra dur. J'ai plus du tout refait depuis, hein. Mais après j'ai arrêté. Bref, quant à moi, on s'arrêtera là. Je vous dis bye bye, à la prochaine pour une autre vidéo en ligne. Et sur ce, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager et également à vous abonner à ma page Twitter. N'hésitez pas, venez me suivre sur Twitter, allez-y. Et surtout, abonnez-vous pour les prochaines vidéos qui vont arriver. Et sur ce, je vous dis, portez-vous bien. Mi-baiser, portez-vous bien. Et profitez et jouez autant que vous voulez. Et je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo en ligne. Et sur ce, bon jeu à tous. Ciao, ciao. We'll be right back.